Bonjour à vous tous et bienvenue. J'en ai parlé dans ma deuxième vidéo sur les villes et villages de l'Oise et voici la première de la série consacrée aux monuments et lieux historiques de l'Oise. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir le donjon de V. Je l'ai déjà présenté dans les grandes lignes sur ma vidéo du village de V que je vous invite à regarder. Mais cette fois, nous allons découvrir son histoire de son origine à nos jours. V est un village très ancien qui existait déjà au 1er siècle avant Jésus-Christ abritant des tribus gauloises. Du 1er au 5e siècle, quand l'Empire romain contrôle une grande partie du territoire gaulois, les Romains font l'objet d'offensives par les Francs, des attaques que les Romains appellent les invasions barbares. C'est pour lutter contre ces invasions que V devient un camp militaire romain important. Suite à la défaite des Romains en 486 à Soissons contre Clovis, roi des Francs, V prend alors de l'importance et devient la capitale du Valois, pourvue d'un château fort de pierre et de bois, aujourd'hui disparu. À cette époque, ce ne sont plus les Romains qui règnent sur le territoire, mais les Francs en la personne de Clovis. Au XIIIe siècle, le roi Philippe Auguste hérite de V qui devient alors terre royale. En 1214, il offre cette terre à Raoul Duchemin, un chevalier qui s'est illustré à la bataille de Bouvines contre l'Empire ottoman. Le nouveau seigneur, devenu Raoul d'Estrée, y construit un logis d'habitation de 3 étages, élève des remparts côté vallée et une enceinte côté plaine. En 1360, c'est son arrière-petit-fils, Géant de V, qui fait construire le donjon hexagonal pour se protéger en pleine guerre de 100 ans. En 1386, V revient à nouveau par héritage à Louis d'Orléans, le frère du roi Charles VI. Il achève de le fortifier. Au XVIe siècle, son importance stratégique vaut à V d'être de tous les conflits. Le château est d'abord pris entre les armées de Charles Quint et François Ier, puis entre catholiques et protestants durant les guerres de religion. Les propriétaires de V se succèdent ensuite jusqu'à son rachat en 1890 par Léon Dru, grand industriel du génie civil qui lui redonne son caractère féodal. Il restaure l'ensemble du château, la chapelle, le donjon et les remparts totalement en ruine qui avaient été lapidés durant le XVIIIe siècle. Il fait aussi refaire les toitures en suivant les recommandations de Viollet-le-Duc, grand spécialiste de l'époque médiévale, tout en demandant à l'un de ses contemporains, Gustave Eiffel, de réaliser la charpente en métal de la chapelle. En 1918, le site servira à nouveau de défense militaire. Le général Mangin y convoque son état-major avant la seconde bataille de la Marne, et c'est à V qu'il donnera l'ordre des offensives décisives dans la victoire de la Première Guerre mondiale. En 1987, le château de V est acheté par la famille Briest. Elle y entreprit depuis de marier ses pierres médiévales à l'art du XXe siècle, faisant perdurer l'esprit qui animait Léon Dru lorsqu'il faisait appel lui aussi à ses contemporains pour faire vivre V. Pour aller visiter ce monument, il vous faudra prendre la Nationale 2 depuis Laon, Soissons ou Paris et prendre la sortie D1324 direction Vaumoise V Vaucienne. Ensuite, après avoir suivi les indications, un parking se trouve au pied de l'entrée du parc du château. Après une petite côte à monter, deux possibilités s'offrent à vous pour rejoindre le château, soit par les galeries souterraines, soit par les remparts. Je vous conseille les galeries souterraines pour monter au donjon et les remparts après votre visite. Après quelques efforts, la vue qui s'offre à nous est celle d'une forteresse médiévale imposante avec son donjon. Une fois passé entre les deux tourelles qui gardaient le pont-levis, on arrive face à la majestueuse chapelle du château. Cette chapelle, bâtie au XIVe siècle, à la même époque que le donjon, est consacrée à Simon de V, qui a fait vœu de chasteté le soir même de ses noces, renonçant de ce fait à son titre et à ses possessions pour se consacrer à la religion. Dans la chapelle, on peut voir une crypte, une nef où sont installés deux tombeaux en marbre blanc, ceux de Léon Dru et son épouse, une salle de garde et enfin la salle Eiffel où l'on peut admirer la charpente métallique. En ce moment, vous pouvez découvrir l'exposition « Ma première mob, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans ».
Le donjon, haut de 27 mètres, et la chapelle furent terminés à la fin du XIVe siècle par Louis d'Orléans. On peut remarquer les éléments défensifs du lieu. Les murs du donjon sont particulièrement épais, environ 2 mètres. Il est flanqué dans toute sa hauteur de 5 cylindres en maçonnerie pleine qui montent des douves. Du premier étage du donjon, on accédait au chemin de ronde des deux courtines par des petites portes bien défendues. Ainsi, la garnison pouvait se répandre promptement sur les courtines faisant face aux deux fronts qui seuls étaient attaquables. Suivons leurs traces quelques instants. La terrasse comporte des mâchicoulis reposant sur des consoles de pierre appelées corbeaux. Le sol de ces balcons laissait entrevoir des ouvertures d'où le défenseur pouvait faire tomber des pierres et matières incendiaires. Avec un tel dispositif, une garnison de 50 hommes arrêtait facilement un corps d'armée pendant plusieurs jours. Le château de V était un fort destiné à constituer un des maillons d'une grande ligne de défense, Coucy-le-Château, La Ferté-Milon, Pierrefonds et Montépilloy. Deux étages aménagés de pièces d'art ancien et contemporain ainsi que la chapelle peuvent être visités. Dans le parc se trouve une tour isolée dite Tour Jeanne d'Arc. Elle est flanquée sur un des remparts et commémore le passage de l'héroïne de la guerre de Cent Ans à V. En 1430, peu avant sa capture, Jeanne d'Arc y séjourne pour le protéger du duc de Bourgogne qui menace de s'emparer de plusieurs châteaux pour relier les Flandres à ses domaines bourguignons. Dans la chapelle, on trouve un petit oratoire d'où Jeanne d'Arc pouvait se recueillir. Voilà, j'espère vous avoir donné envie d'aller visiter ce château, qui mêle architecture médiévale et art contemporain, et que vous y passerez un agréable moment. Quand vous y serez, surtout n'hésitez pas à prendre l'escalier du XIVe siècle qui monte à la courtine, qui donne accès aux tourelles de l'entrée et d'admirer les œuvres d'art qui parsèment le parc. Je tiens à remercier Monsieur Brieste, propriétaire du donjon, ainsi que Madame Étain pour leur aimable coopération. J'espère que cette vidéo vous a plu, mais avant de quitter V, je voulais revenir sur quelques éléments intéressants qui m'ont été rapportés juste après la diffusion de ma vidéo sur le village de V. Et justement, on commence à côté du château, puisqu'il y a encore quelques années, existait à V une compagnie d'arc, et leur terrain de jeu était à cet endroit, avec une petite maison devant l'entrée du château, aujourd'hui disparue. A noter aussi la présence d'un ancien cachot juste en dessous de la bibliothèque. Et j'ai omis de parler d'une rareté, les inscriptions sur trois piliers de l'église, liberté, égalité, fraternité, qui datent du temps où, après la Révolution, l'église avait été vendue comme bien national et servait de marché couvert et autres manifestations publiques. Voilà, cette première vidéo sur les monuments et lieux historiques de l'Oise se termine. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine découverte. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et laissez-moi un petit commentaire si vous connaissez des petits monuments ou lieux historiques dans l'Oise dont vous aimeriez que je parle. Je verrai ce que je peux faire. Surtout, partagez cette vidéo un maximum pour faire découvrir à votre tour ce monument important de l'Oise et surtout du Valois. A bientôt !